Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire des délicieuses cookies américaines au beurre salé. Pour ça, vous aurez besoin de 220 g de farine blanc, de 1 demi sachet de levure chimique équivalent de 8 g, de 50 g de sucre blanc, de 2 sachets de vanille, de 1 cuillère à café de miel, de 60 g de chocolat, pépites de chocolat, 50 g de cassonade, 125 g de beurre salé et un œuf. Je vais fondre mon beurre au four à micro-ondes. Il faut du beurre fondu. Je vais faire fondre au four à micro-ondes. Je commence à mettre mon beurre fondu. Je mets mon œuf et je mets le miel. Et je mélange tout ça. Je le mélange bien. Maintenant, je mets ma farine, mon sucre roux, sucre vanilliné. Moi, j'en mets toujours deux parce que ça sent très bon. Et ma levure chimique. Et je mélange tout ça. Voilà, comme vous voyez que toutes les pâtes sont bien rassemblées, que j'ai mélangées pendant une minute. Je vais ajouter maintenant les pépites de chocolat. Je vais rajouter les pépites de chocolat en deux fois. J'attends qu'ils se mélangent bien. Et puis j'ajoute le deuxième. Voilà, maintenant je fais le deuxième. Je rajoute le deuxième pépite de chocolat. Ça va bien mélanger, bien incorporer à l'intérieur de la pâte. Voilà comment ça va être, vous voyez. Voilà, tout est rassemblé avec les pépites de chocolat. C'est bien crémeux. Qu'est-ce que je veux dire crémeux? Voilà, c'est bien. Les pâtes sont bien rassemblées. J'ai fait chauffer mon four à 180 degrés. Et cuire plus ou moins 10 minutes à surveiller. Je vais le mettre au frigo pendant une heure parce que quand ils sont bien froids, ce sera facile à les façonner, en mettre en boule. Voilà les amis, j'ai laissé reposer une demi-heure au frigo. Vous prenez le truc pour la glace, la pièce pour la glace, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous, c'est le plus facile et... Regardez, et vous la déposez, juste déposez, ne pas aplatir. Voilà. Après, ça va s'étaler. Voilà, vous refaites la même chose. Vous reprenez. Voilà, et vous la déposez. Il faut bien espacer parce que ça va s'étaler après. Hein. Bien les espacer. Voyez, regardez, je prends. Voilà, et je la dépose. Juste la déposer. Ne pas... aplatir. Attention, ne pas le faire comme ça ou quoi que ce soit. Ça va s'étaler tout seul. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec la cuillère. Vous prenez deux cuillères et vous faites des petites quenelles de 40 grammes. C'est suffisant. Et vous la déposez. Voilà, vous mettez au four 180 degrés, plus ou moins 175 degrés, 180 degrés pendant 10 minutes à surveiller comme d'habitude. Voilà les amis, des belles cookies américaines. J'ai fait maximum 180 degrés, j'ai fait 20 minutes, pas 10 minutes, parce que comme ce sont des gros cookies, alors franchement, et ça sent bon. Je vais laisser refroidir, je vais vous dire, c'est comment, j'ai jamais goûté avec du beurre salé. Je vais le goûter quand ce sera un petit peu froid. Voilà les amis, je l'ai laissé refroidir, maintenant je vais prendre un, regardez, franchement, elle est belle. Franchement, je vais la goûter. Elle est croustillante à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Franchement, un délice. J'ai jamais goûté avec le beurre salé, mais c'est trop bon. C'est moelleux à l'intérieur.
Franchement, Alors, vous le conseillez. Avec une bonne tasse de café, c'est un délice. Voilà les amis. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, likez-moi. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Je pense pas que ça va rester une journée, ça. Allez, au revoir.